Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop Les Bases. Aujourd'hui c'est un épisode d'exercice. On va essayer de mettre en œuvre un peu sur des photos réelles les dernières choses que je vous ai montrées. Alors on va faire deux exercices. Le premier c'est celui-là. Donc allez télécharger les fichiers que je mets à votre disposition. Donc la photo d'origine c'est celle-là. Et vous devez arriver à faire ça. D'accord Donc il faut déplacer la verdure et il faut effacer la verdure. Euh, je vous impose quelque chose. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le tampon de duplication pour déplacer la verdure. Par contre, vous devez utiliser le tampon de duplication pour effacer la verdure. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est celui-là. Donc on va faire ce qu'on appelle un tilt shift. C'est-à-dire qu'on va réduire artificiellement la profondeur de champ. Donc ça, c'est la photo d'origine. La photo, elle, pareil, allez récupérer le, le fichier. Il est soit dans le lien de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, soit dans l'article où vous avez trouvé la vidéo YouTube. Euh, et le résultat, c'est celui-là. Donc vous voyez qu'on a réduit. Là, par exemple, c'est net. Et puis là maintenant, bah, c'est plus net, c'est un peu flou d'accord et on a également si je zoome un peu d'accord les choses auxquelles il va falloir faire attention c'est que vous voyez ici le personnage et vous voyez que là entre ses bras c'est net et maintenant entre ses bras c'est flou c'est-à-dire que la profondeur de champ que je vous demande de garder vous voyez elle va à peu près de là à là attention aussi vous voyez que c'est graduel c'est-à-dire que là c'est net, là c'est flou et ça devient de plus en plus flou. Donc, ça c'est un point important qu'il va falloir garder à l'esprit. Celui-là devrait être plus dur que celui d'avant, mais c'est pas grave, vous allez y arriver, j'en suis persuadé. Et bien maintenant vous arrêtez la vidéo et puis vous essayez de faire les exercices, vous téléchargez les fichiers, amusez-vous bien, on se retrouve pour le corriger. Y est arrivé, allez j'espère que vous y êtes arrivé, autrement je vais vous montrer comment faire ça assez facilement. Alors la première chose c'est que je vais dupliquer mon calque ici, euh, histoire euh, d'avoir toujours l'original, si je merde un truc, je pourrais toujours repartir de là. Donc là je suis sur la copie de mon original, je vais zoomer un peu, et là ce que je vais faire c'est que je vais aller sélectionner assez grossièrement euh, la partie verdure. Donc pour ça je vais prendre euh, un outil de sélection rapide, ça devrait être pas mal. Je passe sur les différentes zones rapidement. Alors il va m'en sélectionner un peu plus, mais ce n'est pas bien grave. Si, si ça se voit à la fin, j'irai le, le corriger. Alors ce qui est important, si vous voulez que ça soit réaliste, c'est qu'il va falloir sélectionner aussi un peu les ombres. Hein. Si vous sélectionnez pas les ombres, ça n'ira pas. Donc euh, il faut bien regarder que vous ayez euh, sélectionné assez de choses. Voilà, quelque chose comme ça. Alors je vais zoomer un peu, euh, zoomer un peu pour voir où j'en suis dans ma sélection. Euh, D'accord, donc là je vous ai dit il faut par exemple sélectionner les ombres, donc j'en sélectionne un peu plus. Là ça me va, là ça me va. Euh, ici oui ça va, j'ai cette zone en trop mais je m'en occuperai après. Là j'ai sélectionné les ombres, ça me va. Là j'ai tout sélectionné là-dedans. Ici je suis pas mal, là aussi. Vous voyez j'ai sélectionné grossièrement et j'en ai pris, euh, j'en ai pris un peu plus. Euh, très bien, donc ça ça me va bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais simplement euh, sélectionner et masquer, d'accord Je vais euh, lisser un peu ma sélection, puis je vais peut-être euh, peut faire un peu de contour progressif, juste un peu, ça c'est des choses que je vous ai déjà montrées, ok. Et là, je vais simplement me mettre dans ma sélection, je vais faire un clic droit, et je vais faire calque par copier. Voilà. Donc là, je viens de créer un calque, ici, où j'ai ma verdure disponible à déplacer. D'accord Donc maintenant, je vous avais demandé de la mettre, il me semble, je crois que j'ai mis euh, quelque, chose, euh, quelque chose par là. D'accord Donc on va, le, on va le mettre quelque chose par là. Très bien. Maintenant, je vais regarder un peu comment, comment ça s'intègre. Voilà, c'est nickel. Là, c'est nickel. Là, c'est un peu rouge par rapport à la brique là, qui est là. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, éventuellement là c'est peut-être un peu, un, un peu trop dessiné ça devait être plus sombre oui voilà c'était une, une brique qui était plus sombre donc ça on va atténuer là et on va s'occuper de ça aussi donc là par contre mais on n'est plus dans le déplacement je vais prendre un tampon de duplication je me mets sur tous les calques parce que là je suis sur le calque de la verdure et je veux prendre quelque chose qui se trouve en dessous donc je vais prendre tous les calques opacité 100 flux 100 euh, taille c'est bien euh, en dureté très bien 0 ça me va et je vais simplement donc alt sélectionner euh, de la zone qui est là d'accord et je vais simplement passer gentiment comme ça euh, par, euh, par petite touche avec une texture qui est plus euh, plus de la couleur qu'on attend de ce côté là et là pour ici c'est pareil je vais faire un peu la même chose je vais prendre la un peu mais par contre je vais, je vais changer l'opacité là, je vais mettre une opacité qui est plus faible. Je vais prendre une, de la zone qui est là et je vais passer euh, légèrement comme ça pour atténuer un peu l'ombre et que ça soit un peu la même texture qui est là. Donc là j'aurais tendance à dire j'ai déplacé. Maintenant on veut effacer la verdure qui est là donc je me mets sur le calque d'en dessous hein, puisque c'est là où j'ai euh, la verdure. Et là, ben c'est simple, on va prendre le tampon de duplication et on va y aller. Alors là, ce coup-ci, on va remettre l'opacité à 100%. Et on va y aller par petites touches. Alors je vous conseille, quand vous faites ce genre de boulot, d'y aller par petites touches. Dans le sens où si vous faites des gros pâtés, les, ben les gros pâtés, ils vont se voir. On va avoir des, on va avoir des, des textures qui se, qui se dupliquent, des, des motifs ou ce genre de choses. Donc c'est beaucoup mieux de le faire par petites touches. Comme ça, donc vous voyez, on, on y va euh, tranquillement, on a le temps, on n'est pas, on n'est pas pressé. Alors on verra après, lorsqu'on a fait, par exemple là, euh, c'est pas terrible, là ce truc là. Donc on va essayer de, on va essayer par exemple de prendre quelque chose qui est au-dessus. On va, on va partir par là, on va et on va tirer tout droit, voilà, et euh, ça, ça passe plutôt pas mal. Et on continue comme ça. Donc je vais peut-être passer en vitesse rapide. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Et donc voilà, terminé. Donc faut y aller doucement, hein, et puis il faut ensuite aller regarder les, les différents détails. Alors là, c'est assez facile à faire parce qu'on a plein de textures. Donc on peut aller chercher de la texture à droite, à gauche, au milieu. On fait ça un peu comme on veut. Mais vous voyez qu'on y arrive, on y arrive assez facilement. Il y a juste encore là, peut-être, vous voyez l'ombre ici qui est peut-être un peu un peu marquée. Donc là, c'est pareil. Je vais aller prendre une opacité un peu plus faible. Je vais aller chercher une zone un peu plus claire. Je vais simplement euh, voilà, passer. Alors attendez, je suis où Je ne suis pas au bon endroit. Il faut que j'aille là. Hop. Je prends ici cette zone-là. Je passe là doucement pour atténuer un peu cette ombre qui était peut-être un peu trop forte. Donc ça, c'était le premier exercice. Vous avez vu, quelques part copier, vous avez eu tampon de duplication. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, euh, celui-là. Donc, on part de là et on veut arriver là. Comment on va faire ça Alors, vous, vous doutez bien qu'il va falloir faire un flou à un moment. Le problème, c'est que si vous faites un flou, vous allez faire un flou aussi sur le personnage. Et vous voyez que euh, bah, si je fais un flou sur le personnage, ce flou, il va baver. Donc, je ne dois pas faire de flou sur le personnage, mais pourtant, derrière, au niveau du personnage, ça doit être flou. Alors, comment je vais faire ça ben Alors, comme pour l'autre, je vais déjà euh, dupliquer euh, ma photo. D'accord Et je vais aller sauver mon personnage. Donc, je vais prendre mon personnage ici, qui est là. Et je vais prendre, ben pareil, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Là, je vais réduire un peu la taille. D'accord et je vais aller sélectionner mon personnage ici, d'accord hop, 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 très bien. Et euh, je vais prendre la partie qui est là. Je vais prendre aussi le manche, qui est là, d'accord Ça me va pas mal. Euh... Et euh, là-haut, ouais, je vais prendre un peu, plus de, un peu plus de cheveux par là. Un peu plus de son nez. Un peu plus de cheveux aussi là. Allez, ça me va très bien. Euh, sélectionner, et masquer et je vais. Alors, je regarde un peu. Euh, là, je pourrais en avoir un peu plus ici à ce niveau-là. Donc, je vais retourner là. Je vais en sélectionner un peu plus. Voilà. Et pour le reste, pour le reste, ça me va pas mal. De toute façon, j'irai faire ça mieux à la fin avec un, un masque de fusion. Mais il faut simplement que je, je l'ai à peu près sélectionné. Voilà, il est pas mal. Clic droit, cale par copier. Donc là, j'ai mon personnage. Il est sauvé, tout va bien. Je vais le masquer d'ailleurs, j'en ai pas besoin pour l'instant. Maintenant, si je veux faire un flou et que je ne veux pas que le personnage soit flouté en même temps, bah, une solution simple, ça va être d'effacer le personnage. Donc on va aller effacer le personnage. D'accord À peu près jusqu'en bas de la planche là, puisque je l'ai sauvé à peu près jusque-là. Donc pour ça, je vais prendre mon tampon de duplication. D'accord Alt, euh, je vais choisir une zone qui est par là. Ou alors on va dire par. Euh, faut, généralement, prenez des zones qui sont assez proches, pas trop loin. Alors pourquoi Parce que je n'ai pas l'opacité à 100%. Hop Donc, je, prenez des zones qui sont pas trop loin. Parce que si vous prenez des zones qui sont lointaines elles n'ont pas forcément la même luminosité donc ça ça peut euh, ça peut entre guillemets euh, poser problème d'accord donc là je suis en train d'effacer euh, tranquillement mon petit personnage qui est là voilà hop 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 tiens j'ai pas pris la bon c'est pas grave j'ai pas pris l'espèce de ressort là, mais le flou il commencera pas là. D'accord Donc là j'ai quelque chose sans mon personnage. Là j'ai quelque chose avec mon personnage entier. Et là euh, j'ai le personnage, bah d'ailleurs vous voyez, j'ai le personnage tout seul qui est là. Donc maintenant je vais prendre ici cette partie là euh, et je vais la flouter simplement. Donc filtre flou, flou gaussien par exemple, d'accord alors pas trop hein, parce que ensuite les effets si on met beaucoup les euh, tilt-shift sera un peu trop marqué. Donc euh, 5 ou 5 ou 6, c'était pas mal, on va, on va mettre 5. D'accord Ok. Donc là, j'ai flouté cette partie-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un masque de fusion. Et qu'est-ce que je veux faire Je veux cacher le centre. Le centre, là, je veux que ça soit net. Donc je veux que ça fasse flou. Net, d'accord, et là, flou à nouveau par là. Ok Donc là, ça veut dire que, au niveau de ma planche, je dois cacher la partie floue. Et je dois la montrer au-dessus, la montrer en dessous. Ben, ça, ça va ressembler à un filtre dégradé. Un filtre dégradé, ici, le dégradé réfléchi, donc c'est-à-dire que c'est un dégradé. Qui va se reproduire par rapport à l'axe du dégradé qu'on a choisi. Donc, je vais cliquer ici, je vais descendre à peu près jusqu'ici, imaginons quelque chose comme ça. Hop. Et là, vous voyez que d'un seul coup, j'ai fait une bande nette au milieu. Bien. Maintenant, si qu'est-ce qui me manque Bah, ben, il suffit que je fasse apparaître mon personnage. Voilà. Alors maintenant qu'est-ce qui ne va pas C'est que là, mon personnage, vous voyez là au centre, c'est pas bon. Parce que là, je suis net et là, je suis flou. Donc là, c'est assez simple. Hein On va prendre simplement sur le personnage un masque de fusion. On va prendre une brosse qu'on va mettre en noir pour cacher. On va réduire la taille de la brosse. On va lui mettre une dureté un peu plus importante. D'accord et je vais simplement aller peindre, d'accord, dans la zone ici. Donc là, il faudra être un peu un peu minutieux. Et je fais apparaître ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a derrière, c'est une zone qui est plus floue. Alors, on aurait pu le faire entre guillemets à la sélection. J'aurais pu retirer à la sélection cette zone-là. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur le premier épisode. Mais euh, j'ai décidé, hop là je suis allé trop loin, j'ai décidé de vous le faire autrement pour que justement on puisse voir différents outils. D'accord? Et donc là il va falloir être minutieux, il va falloir réduire la taille de la brosse pour passer aux bons endroits. D'accord, donc là je vais réduire la taille de la brosse. Ok. Pour passer ici, là, d'accord Alors il faudra faire là-haut encore plus petit, mais bon, ça je le... Vous avez compris le principe, je vais réaugmenter la taille de ma brosse. Okay. Alors vous voyez que là en bas il y a beaucoup moins d'effet, puisque en bas je suis net, dans le fond, puisque mon flou il est dégradé. N'oubliez pas que mon flou est dégradé. Autrement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà. On va réduire la taille de la brosse. Alors, une valeur comprise entre quoi et quoi Parce que j'ai dû appuyer sur la barre d'espace pendant ce temps-là. Voilà. Et ben voilà, on a fini. D'accord Et j'ai fait mon tilt shift. Et surtout, ce qui est important, c'est que mon personnage, sur le flou, il ne baffe pas. D'accord On a bien ici son dos qui est bien dessiné. Et ses bras et ses cheveux, et ainsi de suite. Et ben voilà, vous voyez, c'était pas très compliqué, mais euh, comme toujours, il faut avoir l'idée et comprendre comment marchent les outils. Si vous faites un flou euh, et qu'il y a un personnage, vous allez flouter le personnage. Donc lorsque vous allez remettre le personnage net, forcément il y aura les bords qui seront floutés alors on verra qu'ensuite il y a autre, on peut faire des flous autrement avec des flous d'objectifs avec des couches alpha des machins des bidules des trucs muches. mais bon pour l'instant ça vous montre que facilement on arrive quand même à faire ça et ben, écoutez la suite au prochain épisode merci au revoir